Et yo tout le monde, bienvenue dans ce vlog numéro 4! Et vous avez vu, je vais réussir à faire les 5 jours à la suite! Il y a vraiment de l'amélioration chez les loups, hein! Là, il est 10h, je vais filer au pré-déponé parce que j'ai un rendez-vous là-bas pour récupérer un meuble pour mon appart. Parce que c'est plus simple dans le sens où moi ça rentre dans ma distance puisque je peux aller voir mes chevaux tout le temps et la personne ça rentrait dans ses 10 km de distance. Donc c'est rendez-vous au pré-déponé. Voilà, là j'y vais, comme ça en même temps je fais un petit coucou à Soleil Sengoku du matin, mais comme d'hab je vais vraiment profiter de plus en fin d'après-midi. Voili voilou, Maïdo, au rapport mon capitaine. Oh, il lui en faut du temps pour sortir de son lit. Eh bah oui, bah bonjour. Eh bonjour. Comment ça va? Oui. Aïe. Et c'est toujours la même avec elle. Allez, on y va, on va au poney. Bon, je suis auprès des poneys du coup. Oh bah, ils font leur vie, hein. Ils ne m'en calculent pas. De toute manière, je reviendrai cet après-midi. J'ai récupéré ce que je devais récupérer. Je suis bien contente. Et puis maintenant, retour maison, je vais travailler. Eux, ils vont brouter jusqu'à ce soir. Et puis ce soir, ça va être travail avec le soleil. Qu'est-ce que tu fais, Maï? Tu veux rester là? Tu te considères comme un Shetland? Ouais, on y va. C'est trop agréable, franchement, là, que le beau temps il soit de retour comme ça. Il fait si beau, si chaud pour être en t-shirt dès le matin. C'est trop bien. Au moins, le coucou matinal est fait. Je sais que les poneys ont bien dormi, ils ont bien passé la nuit. C'est tout ce qui compte. Maintenant, on rentre à la maison, on va travailler. Et puis, je reviendrai en fin de journée. Voilà le fameux petit meuble que je suis allée récupérer tout à l'heure. J'en avais vraiment besoin pour mon bureau, pour avoir plus de rangement, parce que moi c'est toujours mon problème, c'est que je manque de rangement. Dans mon appart j'ai les mêmes problèmes que dans une sellerie, je n'ai pas assez de rangement. Mais du coup là je suis trop contente. En plus de ça les gars, vraiment pour tous ceux qui vont emménager là au mois de septembre ou quoi, regardez sur Le Bon Coin si vous avez besoin de meubles ou de meubles Ikea. Vous mettez le nom de la référence du meuble Ikea qui vous intéresse sur Le Bon Coin et vous allez trouver les meubles mais tellement moins chers. Lui du coup je l'ai payé à moins 50% par rapport au prix neuf. Et en plus de ça, il était déjà monté. Donc bon, même si j'adore monter les meubles Ikea, j'avoue que ça m'a arrangé de ne pas perdre du temps dans ma journée à devoir monter le meuble. Donc franchement je suis refaite. Donc voilà, maintenant on va du coup partir au poney puisque j'ai encore passé l'après-midi à faire des choses pas intéressantes pour vous puisque j'ai travaillé et que j'ai monté le vlog aussi. Bref, vous avez compris, je vlog tous les jours, faut bien que je monte les vlogs pour que vous les ayez le lendemain. Donc voilà, bref, donc là on va aller monter à cheval, je suis trop contente, je vais monter. Je vais mettre la selle de dressage parce que vu que c'est un vrai canapé, si jamais je peux pas vraiment poser mon pied dans les étriers, je pourrais faire du sans étrier, un petit peu de mise en selle ça fait pas de mal. Et voilà, on est parti. Ah, c'est l'heure de remonter à poney, je suis trop contente. Et me voilà de retour au poney. Je vais aller chercher Soso, qui est encore et toujours à l'autre bout de la planète. Franchement, c'est génial d'avoir un super grand pré, hein. Enfin, en soi, c'est que des aspects positifs. Mis à part le fait qu'ils sont toujours à 36 km de l'aire de pensage. C'est le seul et unique aspect négatif de ce pré. Mais dans le fond, c'est un point positif quand même. Bon, après l'avantage d'avoir un poney comme Soleil, c'est quand même qu'il vient relativement vite à ta rencontre. On va travailler mon bonhomme. Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, this time, me, I need somebody to love. Oh, na na.
still keep it to myself. Cause you don't listen, babe. But still you got me missing you. When I see you, my heart starts racing. But I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, this time. Séance finie avec soleil. Bon, on n'avait vraiment pas d'objectif précis, c'était vraiment une reprise. L'idée c'était qu'il bosse à peu près dans le bon sens et c'est ce qui s'est passé, donc je suis très très contente. Il est un peu embêté par les mouches plates là. Il a beaucoup foyé de la queue et j'en ai écrasé une tout à l'heure. Donc je vais lui mettre de la vaseline au niveau du fourreau parce qu'elle le pique au niveau du fourreau. Et en fait la vaseline ça va faire une couche grasse qui va empêcher les mouches plates de s'y accrocher. Et généralement l'été je lui fais pareil dans les oreilles. Là pour l'instant il n'y a rien. Mais celui-là il a tendance à être agressé par les moucherons dans ses oreilles. Et pareil, couche de vaseline, franchement je fais ça depuis 4 ans. Ça marche super bien et au final l'épaisseur de vaseline ça empêche toutes les petits insectes de merde comme ça, là, tous les trucs de l'été qu'on n'aime pas, de venir se coller aux endroits qui le piquent et qui le dérangent et qui lui font bobo. Oh mon petit fragilou, ça te fait bobo. Je voulais du coup en profiter pour faire un petit retour sur les deux derniers vlogs dans lesquels je vous ai posé des questions à propos de la crinière de Sangoku et à propos de la séance de travail à pied. Pour la crinière de Sangoku, bon alors clairement c'est parti dans tous les sens, il y a de la vie de partout. J'ai décidé de lui faire la crinière à une main pour tout simplement parce que la crinière longue c'est ce qu'il avait quand je l'ai eu il y a 3 ans et ça a tendance à plus le ratatiner qu'autre chose. Puisqu'il est quand même assez petit, donc la crinière longue ça le enfin, ça le ratatine quoi. Donc je vais lui refaire la crinière à une main comme il l'avait l'année dernière. Ce sera très bien et ça lui permettra quand même de chasser les mouches cet été. Et pour la séance de travail à pied, merci beaucoup pour tous vos retours. Là la vidéo elle vient de sortir et je suis trop contente de voir les commentaires, vraiment ça me fait très très plaisir. Il y a plein de bons conseils, donc c'est trop cool et c'est exactement ce que j'attendais de cette vidéo. Et mis à part 2-3 gugus qui n'ont rien compris au sujet et à ce que j'attendais comme retour et qui bien évidemment ont déversé leur haine et leur méchanceté comme d'habitude, de toute manière j'ai supprimé les commentaires, ils ont fini bannis et c'est comme ça, au bout d'un moment on va pas se prendre la tête avec des gens qui n'apportent rien. Cette vidéo le but c'était d'avoir des critiques mais de manière constructive et que ça apporte quelque chose pour dire t'es super nul, ce que tu fais avec ton poney c'est de la merde, vire à droite, j'ai pas besoin de ton avis. Voilà, clairement. Puis bah écoutez, pour aujourd'hui, pour ce soir, bah les poneys sont déjà repartis à l'autre bout du pré là-bas. J'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo, mais ils sont tellement bien dans cet endroit, dans ce pré. Ils se passent très bien de moi. Et en vrai, bah ils vivent leur vie de cheval et je crois que c'est la plus grande des satisfactions. Il se fait un peu tard, mine de rien. Je suis venue vraiment au cheval très très tard aujourd'hui. Donc bah je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Je vais fermer la sellerie, ranger les affaires et puis je vais rentrer à la maison. Je leur remets pas de foin parce que l'herbe... Il y a assez d'herbe. Franchement là, ils ont vraiment pas besoin de foin pour ce soir. Et puis voilà, hein. Vamos a la casa. J'espère que ce vlog vous aura plu, j'espère que me revoir monter soleil vous aura fait plaisir. Et puis on se retrouve demain pour le dernier vlog. Bisous, à demain.